Agnico's owned a piece of Goldex and the company since 1971. I was actually an employee at Goldex initially when it was a public company. And I think what's made it special for all of us to be involved in a small way to help you achieve this milestone is to see your resiliency. We all felt it when we had the stability issues, and a plan was put forward. Il fallait trouver une façon économique de rentabiliser notre gisement. On a établi à ce moment-là un plan de 5 ans. Il fallait prouver le potentiel de notre gisement. Il fallait prouver qu'on était capable de miner à 40$ la tonne à ce moment-là. Il fallait être innovateur. C'est un gisement à grand volume, petite teneur. Donc, ça prenait des techniques de minage qui sont, je veux dire, innovatrices pour garder les coûts le plus bas possible. And that was a great proposition for us to take to our shareholders. When we did, they called us crazy. They said, why the heck would you go and put $90 million back into that project? And what we said is we have full faith and confidence in the team. They've done an exceptional and thorough job of understanding the issue. We're going into a new area. L'innovation prend vraiment une place importante ici à la mine Goldex. Pour le présent, pour le futur, on parle de plus en plus d'automatisation, l'automatisation de la machinerie, être à la fine pointe de la technologie, suivre vraiment ce qui se passe dans l'industrie minière. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On a réussi à trouver une méthode d'introduire le remblai en pâte pour pouvoir redémarrer les zones M et E. Avec l'introduction du Railveyor, ça nous a permis de développer les zones D. On connaissait le potentiel de notre gisement. Les gens n'ont jamais baissé les bras, les gens se sont retroussés les manches. Puis aujourd'hui, on a une mine qui va probablement durer jusqu'en 2030. When I became CEO in 1998, Mr. Wenzel Hubacek, who had worked with Paul Penna for many years and was the individual that Paul relied on to give him technical guidance, he gave me some advice as I took on the new role at Agnico. And one of the things he said, and I always remembered, he said, Sean, never give up on Goldex. Une des choses qui m'a marqué, c'est vraiment les excellentes performances. Puis on parle de santé, sécurité, l'environnement, la gestion avec les voisins, relations avec la communauté. C'est une entreprise qui est en santé. Les gens ont à cœur la santé. Puis la santé, c'est pas juste la santé physique, c'est pas juste bien manger. C'est aussi la santé mentale, c'est prendre soin des autres. Les gens sont fiers d'être ici à Goldex. Avec tout ce qui a été fait depuis 2013, la résilience que les gens ont eue, le travail d'équipe. Je suis fier du travail des gens depuis le début de l'opération, en fait. On a 1 million d'onces de minées depuis 2013. On est prêt pour le prochain 1 million d'onces. Avec Agnico, c'est une grosse famille. La grande fierté, c'est quand on fait des bons chiffres, du bon tonnage. Je suis très fier de faire partie de l'équipe de la Goldex. Tous les départements, tous les mineurs ensemble, il y a une belle énergie positive. Really proud of the team. The board's extremely proud of the Goldex team. Proud of the great work that's been done. So thank you very much, and we really appreciate all the great efforts at Goldex.